Ah, la vraie, je suis venu te voir. Oui. Franchement, je ne comprends plus les filles de Lomé. Elles ont fait quoi encore? Je t'avais parlé de la fille avec laquelle je suis actuellement. Là. Avec tout ce que moi je fais pour elle là, elle m'est toujours infidèle. Je paye son loyer 25 000 francs chaque fin du mois. Tu peux imaginer qu'elle décompte toujours. Bon, tu sais, femme c'est de l'argent. Tu te dis ça toujours. Tu n'as pas d'argent, faut pas t'aventurer. Tu lui donnes 25 000 francs pour payer sa maison. Oui. Alors, tu veux qu'elle fasse comment pour ses mèches, ses tissages, ses perruques, ses habits? Et encore, le loyer ne suffit pas. Elle fait comment pour payer son courant, son eau? Mais si moi j'arrive à payer la maison à 25 000, mais elle a qu'à se débrouiller pour faire ces petits trucs-là, non? Mais c'est ça et ces débrouilles-là. C'est ça et ces débrouilles-là. Moi, par exemple, ce que je donne à ma copine pour qu'elle soit à moi tout seule, ben c'est Dieu seul qui connaît. Attends, elle va venir tout de suite. Je vais lui demander devant toi ce que je lui donne pour qu'elle soit à moi tout seule. Mais ce n'est pas du jeu. Tu n'as pas, faut pas t'aventurer. Tu as compris? Oui. Ma chérie, bonne arrivée. Merci. Chérie, comment tu vas? Ça va. Mmh. Assois-toi. Merci. Tu vois, demande-lui ce que je lui donne pour qu'elle soit à moi tout seule. 300 000 francs comme argent de poche, sans oublier les petits cadeaux en passant. Et c'est comme ça que tu peux être sûr qu'une femme est à toi tout seule. Demande-lui. Gavrin. Oui. C'est d'elle que je te parlais. Tu vois, on ne peut jamais tout faire à une femme. Il y aura toujours quelqu'un qui va faire quelque chose pour gagner son point. Bon, je dois bouger.